Bonjour les amis, bienvenue sur le 16e épisode d'Oxygène Not Included. Il est vraiment excellent ce petit jeu. Alors, je voudrais ici faire des chambres supplémentaires là. Ouais. On va faire des chambres supplémentaires. Il va falloir que je mette un manuel airlock de ce côté. Je vais le mettre là. Ouais, là. Ok. On va fermer avec une tile en sandstone là. Est-ce que je ferme la chambre? Je crois que j'aurais tout intérêt à la fermer quand même. Ici. Et avec une porte en fer. Ici. Ok. On va faire des tiles perméables. Ça fait un décor de moins 5, mais bon. On va les faire en 5, les tiles. En fer, je veux dire. Voilà. On va également nettoyer. Il y a encore de la place dans les conteneurs. Tout ça. Voilà, qui viennent assez rapidement nettoyer. Et après, en 8, on leur fera construire ça, ça. Et les tils ici. Voilà. Allez-y, les petits gars. Voilà, ils vont faire ça tranquillement. On a suffisamment de nourriture, 10% de stress. Tout va plutôt bien là-haut. Où est-ce que. Voilà, ici. Ici, je vais vouloir pousser l'exploration et peut-être même faire un générateur à hydrogène. Ici, un générateur d'électricité à hydrogène. Donc, je vais peut-être. Je vois qu'il y a pas mal d'algues ici à récupérer éventuellement. Ça pourrait être intéressant. Je vais le mettre en 8. Bon, ben, je vais carrément creuser sur une rangée de plus. Alors. Ouais, non, pas comme ça. Je vais plutôt mettre. Non, je vais enlever ça. J'espère que personne ne s'est déplacé. Quoique je pourrais creuser un peu plus, quoi. Il y a quoi là? De l'hydrogène encore. Ici, de l'hydrogène. Ah ouais, je vais peut-être. Ouais, si, je vais leur dire de creuser. Et ouais, il n'y a rien de prémédité, hein. Je fais les choses au fur et à mesure. Voilà, sur 3 ici, ça pourrait être pas mal. Ouais. Waouh, ça fait beaucoup ça. Hein. Ok, on va déjà récupérer ça. Qu'est-ce qu'ils font les morbes ici là? Il n'y a pas eu de mort. Ok, sur 3, là ils doivent y arriver. Est-ce qu'ils vont passer là? Il y a un écart de 1. Ah ouais, mais après ça fera un écart de 3. D'accord. Donc il va falloir mettre une échelle. Ici, une là, et on va mettre une là. Voilà, sois tranquille. Ouais, c'est bon, on arrive à passer. Nouveau duplicant disponible. Ben, peut-être pas maintenant, ou à moins qu'ils aient déjà tout fini. Il manque juste à nettoyer. Pourquoi il n'y a plus? Ah, d'accord. En fait, ils ont nettoyé, mais le fait qu'ils ont reconstruit les trucs en dessous, là, ça a recréé de nouveau des déchets, là. Non, je vais peut-être prendre personne pour l'instant. Qu'il y en aurait éventuellement. Non, non, non. Allez, on rejette tout. Et on verra au prochain coup. 132 en nourriture. Il va falloir faire attention à ce que ça descende pas trop. Par la même occasion, s'ils ont le temps, j'aimerais bien les faire descendre un petit peu plus. Je vais le mettre en 7. Voilà. On va tâcher de descendre beaucoup plus bas. Mais ça ne s'apprécie pas. Voilà, très bien. Alors, on va améliorer les chambres là. Déjà, on va mettre un truc là. Un truc là. Ensuite, on va mettre tout un tas de tableaux. On les met en sandstone, ouais. Ah zut, je suis que 3 de hauteur. Ah! Je suis qu'en 3 de hauteur. Donc ça veut dire que je peux pas mettre les lits et les tableaux. Alors je vais espacer les lits ici. Un sandstone. On en met un ici. Un là. Un là. Ouais. Ok.
Et on va rajouter au niveau du décor un sandstone. Ça, ça. Et on a même un deuxième. Allez, ça leur fera pas de mal. Tout ça en priorité 8. Ouais. Voilà, pour que ce soit un peu plus joli. Au niveau du décor, là, on est vraiment limite. Donc ça va améliorer tout ça. Et ça sera isolé par rapport au conteneur de stockage. Donc ça va. En même temps, ce que je voudrais, là c'est le jour. Alors, je vais ralentir. Là c'est le jour. Je voudrais aussi, je lance plusieurs travaux. En faire, en priorité 7. Mettre des tiles perméables. Là. Alors là, il y a un hatch. Je ne vais pas y toucher. Là. Là, je ne sais pas s'il y a un hatch ou pas, là. Sandstone, oxygène. Non, il n'y a pas de hatch ici. Donc, on va remettre des tiles perméables là. Et ça, par contre, il faut vraiment qu'il le fasse vite avant que les hatchs se réveillent. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? On a 254 000 kilos de sandstone. Donc, on va remplir le conteneur là. Voilà. Je crois qu'il est un 8. Ouais, c'est très bien. Pour nourrir les hatchs restants. Il y en a 1, 2. Et là, il doit y en avoir moins de deux, non ? Je sais pas. 1, 2, 3. Je sais pas où le quatrième. J'ai mis un 9. Ouais. Ah, mais j'ai mis un 8 là-bas. Bon, je pense qu'ils auront le temps avant la nuit. Alors, voyons voir un petit peu où en est tout ce que je demande. Ça va, ça suit son cours. Ils font les trucs tranquillou. D'accord. Là, c'est bien. Et là-haut. Ouais, ça a bien, bien dépoté là aussi. Je suis en combien ? Un 8 ? On va plutôt le mettre à un 7. C'est pas la peine que... Il s'affole trop non plus. Voilà. Et il me faudra remettre une échelle également. Ici, je vois. Là, ils n'y arriveront pas. Là, ça va être dur. Ouais, ça va, c'est bon. Ok. Apparemment, il veut passer partout. Et un 7, c'est bon. Alors, vous êtes où les cocos ? Ah d'accord, ils sont venus ici faire ça. Ce qui est très bien, parce que je vais aussi creuser un set. Ça. Ça. Et il y a un hatch là. Un bétain ce hatch. Là aussi. Ouais, on va continuer... Alors là, ils n'y arriveront pas, bien sûr, mais c'est pas très grave pour l'instant. On va continuer les tiles perméables là. Ok. Et puis après, on creusera ici, petit à petit. Tant pis pour les hatches qui seront en bas. Je remettrai, s'il faut, un conteneur pour les nourrir. Allez, les gars. J'espère qu'on n'a pas tué de hatch. Il a du mal à respirer là. Ouais, il faut faire descendre le CO2 le plus possible. Quoi qu'il n'y en a plus beaucoup là. Il reste, il stagne là-haut. Et là, il y a quoi là ? Là, ça ne me dit rien. Gaz perméable. Ah, CO2. Ok, là c'est fini. Donc je pense qu'ils vont continuer les statues. Celle-là, pourquoi ils ne la font pas là ? Ah, c'est bon. Alors, l'artiste du coin, je crois que c'est Mip, il va se charger de la déco. Allez, on met tout un set. C'est bon. Alors, quand le hatch sera réveillé, je tâcherai de creuser ça. Alors, t'as du mal à la finir, ta sculpture là, Harold. 8% de stress. Ça, c'est vraiment pas beaucoup, hein. C'est pas mal.
T'as froid, Turner? Il fait 19 degrés 7 là. 18. Ouais, il fait pas très chaud. Hein. Ça y est. Voilà. Allez, t'as du boulot. Ça va t'occuper un petit moment. Bon. Les hatches, ça m'embête ça pour ce hatch. Bon bah faites ça tranquillou les gars. Voilà. Faites-en le plus possible ici. On va même peut-être même pouvoir creuser un petit peu là. Là. Ici. Avant la nuit, si possible. Donc ça je le mets à 9. Je sais pas s'ils vont pouvoir y arriver, mais bon, c'est pas grave. Ah si, par-dessous là. Allez, petit malin. Allez, c'est bien. Quoi que je pourrais creuser ici, là, et ça me permettrait de finir le truc là. Voilà. Je pense qu'ils peuvent pas passer. Alors celui-là, si je le creuse, le hatch, ça va pas aller, quoi. Ah, il se réveille la nuit. Alors, si je dis de creuser ça, et de creuser ça, et le mettre même à 9. C'est dommage qu'il n'y ait personne qui travaille la nuit. C'est bon, les 4 hatches sont là. Allez, ce serait bien qu'ils remontent tous là. Pourquoi ils descendent? Allez, il n'y a rien à bouffer là. Alors, je sais pas comment ça va se passer. Voilà, finalement, ils sont prisonniers en bas, les hatches. Bon, ben, on va les laisser en bas, hein, tant pis. Hein. Ok. Alors, ce truc-là, je vais le déconstruire. Hein. J'ai pas le choix. Voilà, parce qu'il y a du sandstone qui tombe. Ok. Et je vais le reconstruire en bas. Hop. Ici, même pas très loin là, de l'escalier. Voilà. En priorité 9. Alors, je sais pas en quoi je le fais là. Je sais pas. C'est con que c'est mal foutu le truc là. Ah. Ok. N'attaquez pas les hatches, s'il vous plaît. Alors, lui, on va le faire. Là, à 9. Et même, je pourrais le faire... Ouais, non, ici, allez, c'est bon. Ah, il y a encore un hatch, là. Ouais. Ah, il y en a un qui a réussi à s'enterrer là. Ah, le cochon. Alors, ça fait quoi si jamais je le creuse? Juste en dessous. Là, et on va tout mettre en priorité 9, ça, voilà. J'espère que ça va pas le tuer, non, c'est bon. Ok. Oh, il s'enterre là. C'est fou, ça. Ah, ils vont pas aimer là. Le réveil va être brutal pour les hatches. Ouais, là, ça va être brutal. Voilà, tout est à 9. S'ils peuvent finir ça avant la nuit, ce sera bien. C'est bien, je vois qu'ils ont des ressources, les bestioles là. On va remettre un petit peu de sandstone là-dedans. On met un 8, voilà. Très bien. Ok, comme ça, ça va me permettre également de creuser ces parties-là. Ouais, jusque-là. Voilà.
Alors tout ne sera pas atteignable, bien entendu. On va remettre un 7. Là, là et là. Voilà. Et on met tout ça au ben, 8. Hein. Allez. Ils sont là, autant qu'ils le fassent. C'est bon, tous les H sont là. Donc finalement là-haut, cet espace-là ne sert plus à grand-chose. On pourrait même, il y a quoi là? Du sable, des graines, du sandstone. Ouais, bon, ben, on pourrait leur dire de nettoyer ce truc-là. Voilà, là je crois qu'il y a de gros morceaux. 24 561 kg de sandstone. Ouais, ben il faut mettre là-dedans, voilà, ça y est plein là. Ok, il y a d'autres conteneurs à disposition. On a 3 lits supplémentaires, voyons voir comment est... Ah, bien. Je garde la place pour 2 compacteurs de plus. Ouais. On est pas mal là, au niveau décoration, on n'est pas trop mal. Là, j'ai pas la place de mettre... Si, peut-être un tableau. Peut-être un tableau juste dans l'encadrement là. Ouais, ça pourrait être bien. Plein de nourriture à récolter. Hop, allez-y les gars, c'est la nuit. Voilà, que du blossom. Et je vois qu'on a également plein de matériaux ici que je vais mettre à 8. Voilà, à récolter. Et ça c'est intéressant, c'est de l'abyssalite. D'accord. Ok, passez la nuit les gars. Là, il y a un hatch. Ah! Merde! Oh non, 3 hatch ici. Ah merde! Oh zut. Il faudrait vite qu'il vienne fermer ça. Ah. Stop. Oh, il y a un hatch qui s'est enterré là. 2 hatchs enterrés là. Oh merde. Zut. Comment on va pouvoir faire? Ben, je vais remplacer tout simplement les tiles, là, hein, mettre tant pis, un truc solide provisoirement. Oh, c'est emmerdant ça. Ça fait quoi si je fais ça? Est-ce que ça va les tuer ou est-ce que ça va les faire remonter? Je sais pas. Allez, venez là les gars. Venez me dire ce que vous en pensez. Alors, il y avait 2 hatchs ici. Est-ce qu'ils vont être enterrés ou est-ce qu'ils vont remonter? Ah, il est remonté, c'est bien. Allez, venez. Oh. Allez, remonte. Vite, qu'il y a quelqu'un qui vient de finir là. Ah, il mange le granit, ok. Alors, il n'y en a pas un qui va venir finir? Si. C'est bon. Et là, il va falloir venir fermer. Alors, ça va être un coup de poker, là. Il va falloir venir fermer ici. Mais sans qu'il y en ait un qui reste enfermé. Vite! Ouais, c'est bon. Waouh. Donc maintenant, je peux détruire. On va ralentir. Je peux détruire ça. Voilà. Ce qui ne me sert strictement à rien. Et on pourra récolter tout ce qui va tomber. Ok, ça marche. On va les laisser faire. Ah ouais, mais ça tombe en bas, d'accord. Ok.
Ok, c'est très bien. Nouveau duplicat disponible. Alors, il faut de la nourriture 143. C'est bien, ça veut dire que c'est monté. Je pense qu'on va en prendre un 12e. Learning, cooking, athleting, tinkering. Oh. Destructeur, vomito, vomito. Learning, athlétique. Ah. Oh, lui, il est facilement malade. Facilement malade et narcoleptique. Ah. Ah, ils sont pas top là. 4 athleting. Il se déplace vite. C'est un peu un cuistot. Mais il est amphibie. Bon, allez, on prend Rowan. Ok. Et on va dire Rowan, bienvenue. Ta chambre est là. Ok, alors combien j'ai de hatch? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, c'est chou, c'est chouette. C'est, c'est cool ça, c'est chouette. Bon, maintenant il me faut encore favoriser le déplacement du CO2. Voyons voir. Ouais, il reste accumulé un peu sur la droite là. Ce serait bien qu'on ait une descente en pente de ce côté. Alors, on va creuser. Ouais, comme ça. Voilà, tout ça c'est faisable, je pense. Oui. Et c'est la nuit. Et on va également leur dire de creuser tout ça. Alors bien sûr, là, ils vont pas pouvoir tout atteindre. C'est pas grave. Là, là, là et là. Et en principe, c'est bon. Ok. Allez, on va débarrasser ça. Ça fera un tas de matériaux également disponibles. L'eau. L'eau, on en est où? Ici, on consomme même toujours pas assez. Au niveau des gaz, on a une pression largement suffisante, sauf ici. Alors, ce que je pourrais faire là, ouais, en plus on a 300, 500, 800. Alors, ce que je pourrais faire en priorité 9, c'est mettre une tile perméable là, là, ici, ici. Et pourquoi pas ici également. Ouais, c'est bon. Très bien. Ok, il y a de l'eau qui coule là. Ah, c'est embêtant. L'échelle ici, alors elle est mal placée, quoi. Parce que ça va arriver à faire de l'eau dans la chambre. Ah, il me faudrait détruire ici juste le building. Là, mais sans que ça casse. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé. Til, ouais, c'est bon. Ok. Et on ne touche pas au liquid pipe ou au tuyau électrique. Ok, au fil électrique. À ce moment-là, l'échelle ici ne me sert à rien. Allez, attends, autant faire les choses jusqu'au bout. On va la faire descendre carrément ici et là. Et on va détruire l'adder déconstruct. Déconstruct. Voilà. Ok, on est bon. J'ai mis tout ça en priorité 8. Parfait. Je remets ça en priorité 5. Ça ne sert à rien de le mettre en plus haute priorité. C'est bien. Il a bien bossé. On est pas mal. Ici. Oh la vache, ils ont déjà tout fait. Oh oh oh. Alors, je crois qu'il va falloir mettre des containers de stockage supplémentaires parce que là, il y a plein de choses en bas. Et c'est ce que je vais faire. On va le faire en sandstone, priorité 8. 1, 2, 3. Et puis là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à ce moment-là, je pourrais même détruire ici ça.
Til, déconstruct. Gaz perméable, til, déconstruct. Et on mettra une porte à la place. Allez, venez détruire le truc là, s'il vous plaît. Voilà. Hop, on met une porte ici. Et ça sera très bien. Ici, on stocke tout. Là, on stocke tout. Je ne vais pas les spécialiser. Voilà. On stocke tout de partout. Voilà, plein de trucs de stockage. Parce que en bas, il y a tout un tas de ressources. Alors là, ils peuvent pas monter. Ah ouais, d'accord. C'est un peu embêtant. On va leur faire des petites marches. Alors, ici. Là. Voilà. Comme ça, ils peuvent monter de partout. Et je vais pouvoir les faire nettoyer tout ça. Voilà, qu'ils virent tout. Je pense même que, oui, on va laisser des échelles comme j'avais fait là. C'était pas mal. Un 7, là, là, et là. Et on va pouvoir creuser tout ça. On agrandit un petit peu toute notre base, là. Voilà, très bien. Il y a un hatch qui est coincé ici, là. Il a rien à bouffer, lui. Bah, tant pis. Là, ils font du charbon. Je ne sais pas s'ils font du charbon. Ah, mais là, c'est plein, là. D'accord. Alors, il faut vite le vider. Voilà. Comme ça, ils pourront se nourrir. Et faire du charbon. Allez, le jour revient. On finit de faire ça. En bas, ils sont allés où? Waouh, la réserve d'eau polluée qui est ici. Waouh, le truc de fou. Waouh. Ok, alors, ils vont arriver jusque là et après, on partira plutôt par là. D'accord. Ouais, c'est un peu pourri là, je le conçois. Un peu d'eau polluée ici. Ah ouais, il y en a même un peu beaucoup là. Alors, il faudrait qu'ils arrivent au moins à faire ça. J'espère qu'ils vont y arriver. Je vais juste le mettre à 9 jusque là. Histoire que ça fasse un trou et que l'eau polluée s'évacue ici. Ils vont y arriver. Alors le stress va remonter. Là, on est à 5%, donc ça va. Voilà, hauteur d'eau là. Impressionnant. T'as froid. Quelqu'un peut venir? Oui, non, oui. Allez, plus que 3 échelles. L'eau est à combien? Moins 7. Ah ouais, moins 7. Waouh. Waouh. Harold, t'es costaud là, je te le dis. Hein. Il en a fait 2 d'un coup là. Allez, encore un petit peu de gold amalgame ici. Sandstone, gold amalgame. Quelqu'un qui vient? Ouah, la hauteur. La hauteur de fou. Heureusement que j'ai fait un trou ici, comme ça l'eau elle tombe directement là. Et ça refroidit presque les chaudières. Par la même occasion. Alors, il n'y a plus personne là. Alors, ils sont passés où là? Les gars, vous êtes où là? Ouais, sur la douche, je comprends. Ouais. Harold, il en a bien besoin là. Il est tout crade. La nourriture à 128, ça a légèrement baissé, mais c'est normal, j'aurais pas dit de ramasser. On va prévoir. Non, pas encore. Allez, ça serait bien de finir le trou. Non, personne n'y va. Pas un volontaire là.
Ah, c'est peut-être pas atteignable. Ah ouais, c'est pas atteignable. Merde. Juste trop bas. À cause de l'eau. Alors, puisqu'à cause de l'eau, c'est pas atteignable, je pense qu'on va pouvoir creuser là. Et là. Ça va élargir le trou, ça va faire baisser le niveau d'eau. Et ça devrait être bon. Ouais, Harold, toujours lui. Toujours volontaire, le niveau d'eau devrait baisser. Le niveau d'eau. C'est un peu dur à creuser l'abyssalite, je sais bien. Ah, ça y est. Du coup, ils ouvrent en bas, et ça y est, on est peinard. Wouah, tout ce qui se déverse. Wouah. Alors, j'aimerais bien qu'ils arrivent là. Pour faire... Alors, voyons voir. On va même se déplacer un peu par là. Il y a du col d'amalgame là. Ça, c'est bien ça. Allez, allez-y. Quelle a priori tonnerre là, 7. Ouais, ça va. Alors, j'espère qu'ils vont pouvoir avoir ça. Allez, je le mets à 8. Ça fait des sacrées vagues, les trucs, là. C'est la nuit. C'est la nuit. Il y aura tout ça à nettoyer. Le CO2, maintenant, il peut bien circuler. Voilà, très bien. Il descend vers les air scrubbers. Il faudra presque que je... Oh, il y a de l'oxygène, là. Oxygène pollué. Ah, ouais. Plein de CO2 ici. Bon, c'est pas grave. Là, ils nous font leur petite crotte à un charbon, ce qui est parfait. Ils ont encore à manger. On a un tout petit peu de charbon ici. D'accord. En bas, ils creusent au niveau de l'air. Ah, ils ont pas fait... Les trucs là, normal, c'est un priorité 5, ils risquaient pas de les faire. Là, 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 pour améliorer la circulation de l'oxygène. Alors, l'envoyer encore par là pour que ça pousse les CO2 vers le bas. Ok, on a de l'oxygène partout. Encore deux places disponibles pour les lits. Ici, ça se remplit. Ouais, ça va, il y a de la marge encore. Et ça coule toujours. Très bien. Ça marche plutôt bien cette affaire-là. Les fertiliseurs, ils fertilisent. Ok. Allez, voyons voir où ils en sont en bas. Oh. Oh. Ah. Pause. Pause. Banni. Oh, banni. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, quelle douille. Si je lui dis de creuser ici, là. Voilà. C'est bon, comme ça elle peut remonter. Ouf, on a eu chaud là. Et je vais creuser tout droit, encore, vers le bas. Il y aura moins d'eau, je pense. Ouais. Allez, on va creuser à partir de là. Le ladder, 1-8. Voilà, et puis là après, ça sera l'inconnu, on verra bien. Sacrée réserve là, intéressant. Allez. Ah, ça fait un boulet d'étranglement ici, il y en a du gold amalgame. Ah, ça se répète, ça vaudrait le coup de récupérer ça. Et même, je peux creuser là. Et jusque là, voilà, Ingenious Rock, Slime, du Slime, de l'argile, ouais, je pense que c'est atteignable tout ça. Allez, on y va.
lenteur vertigineuse du machin là. Là, ils ont tout creusé. Alors, vraiment tout. On va leur dire de tout ranger en 8. Ça. Voilà, et même des graines, il y a de tout. Et à y être ça aussi. Voilà, ils vont pas aimer là. Un nouveau duplicant disponible. Un 8. On va enlever la plante là, la plante là. Voilà. Allez, si vous pouvez nettoyer tout ça, ça ferait un sol propre. Et ça serait peut-être pas mal. Sandstone, 289 000. Ingenious Rock, 364 000. Waouh! Qu'est-ce qu'on a principalement ici? Du granit, du sandstone. Granit, sand, ouais. Granit, dirt. Ouais, c'est pas mal. Okay. Alors, on va les laisser faire. Tiens, pourquoi ils n'ont pas ramassé ça? On va les laisser faire tranquillement. Voilà. Une ration de Melkrout. Très bien. Et là, ils vont le récupérer. Ah, j'ai pas mis la priorité, peut-être, je sais plus. Un 8, ça. Ah, on va peut-être descendre à l'échelle là, sinon il va avoir un peu de mal. Allez, jusqu'en bas, voilà. Ah, et puis aussi, on va, ça leur fera un raccourci. Ici. Et là. C'est la nuit. Vous avez bien bossé, les gars. Il y a un tas de charbon ici qui est disponible. Il y a encore pas mal de sandstone, encore 17 149 kilos. Donc ça va, il y a de la marge. Au niveau de la nourriture, il y a plein de choses à récolter. Je vais le mettre en 7. Voilà. Nouveau duplicant, 123. J'ai pas envie de le prendre encore. À moins qu'on ait quelqu'un d'exceptionnel au niveau force, construction et tinkering, mais là je vois digging, mais là je vois que c'est pas vraiment le cas, donc non. Allez, on va faire le difficile. On prendra plus tard. Ok. Là-haut, ça dit quoi? Ils n'ont pas tout creusé, c'est normal, je suis qu'en priorité 7. Mais purée, il y a pas mal de choses là. Ça vaudrait presque le coup de... On a combien de concentration là? 1000. On n'a pas énormément de concentration d'hydrogène. Par contre ici, on a 5 kg. Là, on a 2 kg. 1,9 kg. Et là, on a 1,3 kg. 1,5 kg. Ouais. Ici, ça fonctionne. Tant bien que mal. Ah, on est un peu inondé au niveau de l'air scrubber. Alors, on est inondé au niveau de l'air scrubber. Ah, et ça risque d'être un peu récurrent. Ou alors c'est la glace qui a fondu là-haut, je sais pas. Allez, en priorité 9. Si vous pouviez venir éponger là, ça serait bien, les gars. Ici, il y a de la glace qui fond, donc ça fait un peu d'eau. Ah ouais, ils viennent tous d'un coup là. Voilà, voilà, ça a libéré l'air scrubber. Parfait. Pas mal de glace, mais j'ai pas trop envie de la ramasser, la glace. On peut pas être assez actif sur le ramassage des objets qui sont par terre. J'ai du granit. Ok, très bien. Alors, ça se passe bien là. On sait pas quelle est la priorité. Bon, ben là, la sonde. Ils ramassent le sandstone, je vois. Ouais, voilà. À chaque fois, ils prennent 600 kilos. Ils sont costauds, les gars. Ah, il va falloir un petit moment pour qu'ils réussissent à tout enlever. Là, ils n'ont pas creusé. Ouais, c'est normal. Ils sont occupés là-haut. Et après, il faut là qu'ils descendent un peu plus. Ok, ben on a une sacrée réserve là. Il y a encore un Timbleweed.
Mais bon, le froid a pas l'air de leur causer, ni la chaleur d'ailleurs, de leur causer beaucoup de problèmes. Ils remplissent les conteneurs à fond. Ah, ils n'ont pas construit ça. On va le mettre à neuf. Voilà. Très bien. La nuit tombe. Et encore tout ça à ramasser. Ok. Bon, ben on va les laisser se reposer. Ils l'ont bien mérité. Tout se passe plutôt bien. Ils n'ont pas, bien sûr, encore récolté la nourriture. Là. On est à 125 000. Ouais, je le remets à 8. Je vais leur redire. On va les laisser se reposer. Et puis, avant d'attaquer une nouvelle journée, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de notre colonie. Il va falloir qu'on s'occupe de l'hydrogène qui est là-haut. Sans trop tarder. Bon, et ben allez. Portez-vous bien les amis, n'hésitez pas à vous abonner, un petit like si vous aimez, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.